Salut les amis, c'est White et j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je suis un grand fan de Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui j'ai trouvé un jeu qui correspond tout à fait à ce que n'importe quel fan de la période, tout simplement, c'est un peu hardcore de dire fan de la période Seconde Guerre mondiale, pourrait retrouver dans un jeu vidéo. Je kiffe totalement, on est sur Post-Krypton, une reconstitution complète de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Vous verrez, c'est assez incroyable. Je vous propose de sauter sur le champ de bataille tout de suite. Vous voyez, il y a la carte ici. Les petites bulles jaunes, c'est mes spawns. Donc je vais spawner sur les petites bulles jaunes tout simplement. Je suis de la First Airborne tout simplement. Donc je suis dans le camp des alliés contre les Axis simplement. La force des Axes. Là vous le voyez dans la section, dans le loadout, on peut choisir plusieurs entre guillemets spécialités. Donc là on peut voir qu'il y en a certains qui ont des AR, qui sont support. Il y a des snipers, il y a des coups par coup tout simplement. Et moi je vais jouer un coup par coup. Je vais être medic et je vais jouer le Lee Enfield numéro 4. Je spawn juste derrière le champ de bataille et on va essayer d'aller accrocher la petite ville qui est juste ici sur la carte. Grige Sword, c'est parti, select spawn. Donc tout est par communication radio, je suis sur un serveur full français. Donc je peux parler avec mes alliés, je peux parler avec mon chef de section peut me donner des ordres. On va essayer de se rapprocher de la ville, j'espère qu'on peut traverser très rapidement les lignes ennemies. Oui, là c'est lui qui me tire dessus à la batteuse. Tous les trucs noirs là, tous les petits effets noirs qui sont autour de moi, c'est parce qu'ils me mettent la pression. Ça c'est un allié. On va continuer à avancer. Ouais. L'objectif pour moi, c'est de prendre l'église qui est juste sur ma gauche. Je vais essayer de communiquer un peu avec mes alliés, histoire de pouvoir avancer un petit peu. J'ai effectivement toute une panoplie d'accessoires. Je crois que je peux faire des tranchées et tout, mais j'ai pas bien compris. Il y a des mines aussi, je peux balancer du phosphore. Je sais pas trop pourquoi, mais si tu balances du phosphore, ça fait ça. Regarde, tu vas voir. Voilà, ça fait ça. Je vais essayer de traverser avec les camarades, faut absolument qu'on prenne l'église. Je vais essayer de contourner sur la gauche et de balancer la sauce à la MG histoire de coucher des têtes. Je vais commencer à balancer la sauce. Dès que la smoke se dissipe, je vais essayer de pousser dans l'église. Il va falloir que je me remette un peu de stamina, ça va chier les gars. Là, il y a du chleu qui court, je l'ai complètement raté. Il y en a un qui se dirige sur la gauche de l'église. Ah oui, l'allemand qui est mort en paquet de 12 là. Ah ouais, je vais essayer de contourner. Oh. Il y a encore une batteuse dans l'église, les gars. Je vais essayer de le sortir dans le dos. Il est mort, la batteuse est morte dans l'église. Faut y aller, hein. Il y en a une deuxième. Ok, les deux batteuses sont couchées. Tiens. L'église est claire. L'allemand dans le clocher a été tué. Ouais, c'est clair. Oh, on a fait un carnage là, enfin on a pris cette église de merde. On galère depuis le début de la game là-dessus. Et maintenant la ville est à nous. Allez, c'est parti, on va continuer à avancer. Je sais pas pour vous, mais j'aime énormément ce type de jeu, sans ATH, sans rien. Ça développe tous les sens. Ça te force à jouer ultra sérieusement et à communiquer, à redécouvrir un petit peu le jeu teamplay. Je vais essayer de traverser, je suis Rifleman donc je peux me permettre. Maintenant je vais essayer de jouer intelligemment. Je vais essayer de contourner par la droite du champ. Tout l'univers est vraiment extraordinaire. Le jeu est très beau, mais j'ai l'impression que le jeu n'est pas encore optimisé puisqu'il est en bêta. Et que donc du coup je peux pas pousser les graphismes au maximum. Alors là normalement je devrais commencer à percevoir des Allemands. Enfin je vais essayer de rejoindre les collègues. Non mais en fait ils sont déjà dans la forêt. Comment je pourrais me sortir de cette merde là? Allez, bon militaire, mes premières grenades. Et maintenant c'est la phase de rush. On prend les bâtiments. Faut nettoyer. Je prends des tirs de MG là, mais vraiment lourd. Waouh. Là c'est la définition de la guerre. Hein. Donc moi, je sais pas pour vous, mais je suis absolument in love des phases de jeu comme ça. Incroyable, les parties sont extrêmement longues. Il y a énormément de joueurs, on est en 40 contre 40, c'est incroyable. Donc il y a du monde partout. C'est super réaliste, c'est tactique, c'est hardcore. Et pour développer les petits cerveaux en jeu comme moi sur Rainbow Six Siege, je trouve que c'est un putain de bon exercice. Donc aujourd'hui, j'espère vraiment que cette découverte va vous faire plaisir parce que moi, c'est toute mon enfance. Hein. Call of Duty 2, le débarquement de Normandie, les
vraies premières histoires de Seconde Guerre mondiale. Ça me fait plaisir que de pouvoir, entre guillemets, jouer à une simulation à nouveau de Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que quelque part, Verdun m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais du coup le faire en vidéo. Et il y a également un autre jeu qui m'intéressait beaucoup aussi. C'était Ready or Not. Ouais, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Le nouveau FPS, tout simplement, de guerre moderne qui va sortir. Ultra réalistique et on subit des tirs assez incroyables ici. Le joueur français qui fait la savonnette par terre, tout simplement, au milieu de la forêt. Il y a des Allemands autour de la maison rouge en brique, juste de l'autre côté de la route. J'en ai couché un. Hein. Il y a encore du monde dans la maison. Moins un. Moins un, juste à gauche, derrière le muret. Alors maintenant, c'est du push tout droit jusqu'à la ville. Mes alliés sont déjà sur la ville. Donc il faut que je me débrouille pour cross tout simplement. Il y a beaucoup, beaucoup de monde autour de la ville. Faut juste que je fasse attention à, comme dit, autour de moi, que je me fasse pas spawn trap ou je sais pas quoi. Faut juste que je me fasse pas enculer par surprise en fait. De toute façon, la sodomie c'est pas trop pour moi. Et j'ai su des tirs assez violents ici, des tirs assez nourris. Si j'ai peut-être un peu de chance, j'ai peut-être le timing pour cross tout simplement. Pour passer derrière la ligne ennemie allemande. Et là du coup je suis dans leur dos. Si j'ai bien compris, et il va falloir que je fasse très très attention. Donc je vais gérer ma stamina. Comme dit, je vais boire un petit coup de flotte, je vais gérer ma stamina. Et je vais continuer à les push du côté gauche, histoire de les avoir tous à revers. Donc je pourrais facilement faire 5 ou 6 kills. Contourner par la gauche, les gars, contourner par la gauche, j'ai le contrôle de la ferme. Je les vois, ils sont tous accroupis en train de siquer à mort le kill et tout. Et moi je suis en train de boire dans ma gourde au calme, comme s'il y avait personne en face. J'arrive à savoir d'où ça me tire dessus. Si je suis méticuleux sur ma progression, là je vais avancer à moitié à découvert. Hein. Ça tire au-dessus de ma tête, mais il m'a pas vu. Je le sais. Donc je vais essayer d'avancer, je sais qu'il y en a dans le champ. Là, regarde. Non, ça c'est allié. J'ai un blindé qui progresse sur moi dans le champ, à gauche. Oh, il y en a pas qu'un, il y a trois blindés sur toi. Oh. Là j'en ai un dans le dos. Terminé. On n'en parle plus. J'ai pris le contrôle du champ à gauche. Un mort. 70 personnes en face de moi. Le gars il se balade tout seul dans un champ au milieu des avions cassés et tout. Il a un sexe énorme. C'est incroyable. Là maintenant l'objectif pour nous ça va être de traverser ce champ, sachant que la prochaine ligne de front elle est juste derrière au niveau des maisons. En tout cas je sais pas vous comment vous trouvez l'environnement, mais moi je le trouve extraordinaire. Ça pète de partout, ça claque, c'est absolument magnifique. Ça lagouille un petit peu aussi, 40 fps en full forêt, ça fait un peu mal au cul. Il y a des gros problèmes d'optimisation, mais je suis en train de me régaler sur le gameplay tout simplement. C'est une tuerie. Allez, il devrait y avoir des Allemands encore à côté. Je suis avec toi, mon poulet, t'inquiète même pas. On va se les faire, sèche-le. Ça, c'est good. Je vais juste essayer de traverser. Ok, j'ai traité. Vas-y, cours, cours. Est-ce que j'ai un passage, là? Oui, j'ai un passage. Entre les deux barrières. J'arrive contact à la maison, là. Faut que j'arrive à bouger. Ça risque d'être très compliqué ici, mais c'est pas grave. Allez, on contourne. C'est maintenant que ça va fight, hein. Allez, j'y vais au pistolet. Ouais, donc pour l'unité de force, c'est un allié ça, j'espère. Oh non ! Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé tout simplement l'ambiance, l'environnement et ce petit mode de jeu. On pourrait éventuellement se refaire des games dessus. Je prévois de faire une petite vidéo Island of Nine sur Island of Nine, qui est tout simplement le nouveau Battle Royale phare du moment. Dites-moi si ça vous intéresse, c'est un peu futuriste mais avec des armes et des viseurs, etc. d'actualité tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à péter la barre de like et à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant évidemment sur la petite cloche des notifications, ça me fait plaisir. Les gars, c'était White, je vous abandonne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao tout le monde. Peace. Down, down, up and down, 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 down